Une délégation de la transition gabonaise, conduite par son vice-président, a échangé ce mardi 21 novembre 2023 avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Porteur d'un message écrit du président de la transition au Gabon, Brice Clotaire-Oligny Nguema, à son homologue et frère Denis Sassou Nguesso, Owono Béré, c'est de lui qu'il s'agit, est allé faire le point de la transition gabonaise au chef de l'État. Je suis ici au nom du président Oligny Nguema, qui est président de la transition au Gabon, comme vous le savez. Et je devais lui faire le point du programme de la transition et le rassurer en tant qu'aîné que les choses se déroulent comme prévu au niveau du Gabon. Le président de la République nous a engagés, d'abord nous a entourés de ses conseils et de son expérience, et il nous a engagés effectivement à nous entourer de toutes les précautions nécessaires pour que les choses se passent comme le souhaite le peuple gabonais. Concernant la coopération entre le Congo et le Gabon, Owono Béré affirme qu'elle est au beau fixe. Elles ne peuvent pas être meilleures. Comme vous le voyez, le président Oligui, dans les toutes premières de ses sorties, est venu au Congo justement pour affermir les liens qui sont les nôtres. Et il a reçu en retour justement le soutien de son aîné. Ce que je peux vous dire en très peu de mots, c'est que les relations entre le Congo et le Gabon se portent très bien. Il cède de dire qu'entre le Congo et le Gabon, la coopération bilatérale ne souffre d'aucune entorse.